Allez, salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Occupy Mars. On va continuer notre aventure, notre escapade. C'est parti. Comme d'hab, je vais m'arrêter au niveau des bases. Et je vais les fouiller avec vous et puis je vais les démonter au fur et à mesure. En vous passant tout ça, ça marche. Ok. Ouais, j'étais sur mon rover. Là-haut, j'étais posé une antenne. J'ai été en jetpack. J'ai éclaté mon jetpack en miettes. Mais bon, l'antenne vaut mieux la poser en haut que ici en fait, parce que tout ce qu'il y a autour, les rochers, comme vous pouvez le voir, on voit bien la zone verte. Et si vous la posez vraiment dans un cratère, bah, tout ce qu'il y a autour, les rochers, bah, c'est pas pris en compte. Donc là, au moins, bah, elle est pas loin. Va falloir que je mette des antennes un peu partout au retour. Donc, du coup, oui, j'étais retourné me réapprovisionner dans ma petite base de recharge. Et l'antenne elle est là. Persévérance il est là. Donc on avait dit qu'on allait. On allait continuer au sud. C'est parti. En tout cas j'espère que vous allez bien. Que mes vidéos vous plaisent. Donc, moi j'aime pas la vue intérieure. Hein, ça me. C'est plus réaliste mais moi j'aime pas. Ah ouais, puis quand j'avais fait mon antenne là-haut là, en redescendant, bah, mon rover il fonctionnait plus. J'arrivais plus à avancer, à reculer, et puis là apparemment c'est reparti quoi. Comme en 40. C'était une base que j'avais démontée. J'ai vu que j'avais le marteau piqueur aussi à l'intérieur, et le soudeur. C'est cool ça. Alors apparemment avec le soudeur on va pouvoir en faire le montage des bâtiments. Enfin, faut poser le bâtiment à la main dehors. Après avec votre rover vous pouvez souder avec. Faudra qu'on teste ça au retour. Qu'on aille voir vers le nord aussi. Peut-être un est, après direction nord. Et redescendre à la base, voir si on trouve pas d'autres graines, parce qu'apparemment on trouve des graines au nord. Est-ce que c'est aléatoire ou pas, je sais pas. On va bien voir. Ok, là on a une, deux, trois, quatre bases à faire. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'il y a. On va se faire la base déjà. Assise. Y a rien. Pas que de bouffe. Pas de circuit. Même pas une caisse, rien quoi. C'est abusé. Là, ça va dehors. S'il y a que dalle. Ok, bah écoutez, que dalle. Super. Espérons qu'on trouve quelque chose à l'extérieur. Bah, ma cache wallou. C'est abusé quoi. Il n'y a qu'une caisse ici, encore ça va être dévissé sur le champ. Ah, une tablette. Tant pour moi. Ah, voyons voir. Panneau plus performant au niveau de. Oh, c'est bon ça. Pas nos moyens plus performants. Là, c'est nickel. Donc, j'aimerais bien faire les quatre bases déjà et puis après bah, m'arrêter et démonter. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qu'on va faire, hein?
Ou alors, bah, on va continuer notre chemin. Puis je démontrerai tout au retour. Quand on partira vers le nord, quand je reviendrai, bah, je démontrerai au fur et à mesure. Sinon, on va perdre trop de temps. Ouais, bon, en même temps, quand je vois tous les panneaux là, je crois que je vais me la faire vite fait celle-ci. Ou des graines. C'est quoi comme graines? Des patates, putain, y'a que ça. Patates, betteraves. Ça, j'ai envie d'aller au nord. Parce que nord, il y a peut-être des. D'autres graines. Oh, une tablette, nickel. Voyons voir. Ramassage automatique des roches. Quels un. Pour le rover, un système d'assistance visant à ramasser automatiquement les roches, ce qui facilitera le transport des derniers dans la remorque. Ok. Et à mon avis, ça c'est quand on les démonte en petits morceaux. Je pense pas que quand on passe à côté des grosses roches. Écoute, on a fait le tour. Hein. De base, de tablette. C'est bon ça? Bah, c'est plus grand chose à trouver, hein, à part des graines. Ah, les panneaux solaires, hein, punaise. Oh, c'est pas grave. J'en trouverai d'autres. Vitra ou patate. Rien d'autre quoi. Oh, une tablette. Impeccable. 3 sur 3. Impression batterie. Ok, je crois que c'est la batterie pour la combinaison ça. Bah écoutez, c'est cool. Je pense que dans la dernière base qu'on va voir là, il va y avoir pour une tablette, j'espère. Ah, oh, alors ça m'énerve. J'ai jamais compris pourquoi ça faisait ça quand on montait les escaliers là. Yes. Allez. Et bah heureusement j'ai des kits de réparation en rab. Faire le tour vite fait. Ok, donc on va passer à la suivante. Bientôt 18h. Encore une tablette, piting. Oui, c'était obligé là. Tablette par. Allez, c'est parti. What you unlock blueprint. Ah. Bah, c'est pas la bonne tablette. C'est une tablette que j'ai déjà. Ou alors j'ai déjà tout débloqué au niveau des tablettes. Je peux pas la débloquer celle-ci. Dommage. Électronique. Oui, je sais, une seconde, respire. Ok,
Eh bah écoutez, 4 bases, 4 tablettes. Une que je peux pas me servir, que je vais la laisser ici. Ouais, ça c'est mon jetpack là, tout démonté. Donc je vais pas me prendre la tête, je vais tout mettre dans le broyeur. Et le reste, je le mettrai. Puis le reste, je vais m'en crafter une. Hein. Je vais m'en crafter un jetpack. Ah. Ça. Est-ce qu'on n'irait pas? Oh, mais c'est pas possible. Donc, ouais, on va peut-être aller voir le point d'intérêt là. Ah, je sais où on est. Le Curiosity, pas loin. Il est par là. Donc, on va aller là. Tac. Ça, on s'arrêtera pour la nuit. Et après, on se barre vers le nord. Oui, ça c'est le cratère du Gale. Il y a Curiosity normalement. Mais bon, là je vais m'arrêter parce qu'on voit rien. Ouais, on va s'arrêter là. On va aller dormir là. Nickel, donc ouais, c'est bien ça, je crois qu'il est vers là-bas. La petite descente là, vers là, je sais pas. Il est là-bas, je l'ai vu. Notre petite curiosité. Premier rover dans la bêta que j'avais trouvé. Magnifique. Curiosity. Et de toute beauté. Dommage qu'on puisse pas les réparer, mais bon. Donc, Curiosity, ajouter à la liste. Ok, 1, 2, 3, 4. On a les 4. Ça passe tranquille, vous inquiétez pas. J'ai l'habitude. Les câbles. Ça, c'est le cratère de Gale. Oh, c'est marqué dessus. Mais non, pourquoi tu fais ça? T'es pas cool, hein. Une tablette. Est-ce qu'elle va être bloquée aussi celle-ci?
J'étais sûr d'avoir fait le tour, quoi. On va se regarder la tablette vite fait. Alors, Grand Dôme. Vous voyez, l'autre tablette, c'est que je l'avais déjà en fait. La Grand Dôme. Puis câble. Du coup, carte. Ouh, il y a un autre point d'intérêt là, donc je crois que bah, on va y aller. Là, il doit y avoir le Gusev cratère. Je crois qu'il y a le Opportunity qui est par là. Tracé, tech, c'est parti. Hein. Bon, on va faire les points d'intérêt tant qu'il y en a. Hein. 1300 mètres. Que je pense à me recharger aussi. Quelle heure il est? 9h, ça va. Et je vais poser un puits là vite fait pour le lendemain parce que là je crois qu'il y a opportunité qui est pas loin. Oh mais non. Ok, on va essayer le. On appelle ça. Espèce de chalumeau là que je peux mettre à ce bâti à côté. Oh, je suis obligé de monter le puits, quoi. Là, vous êtes sérieux? Quoi, pas de matériel, petit tuyau? Soudeuse. Oh, terrible! Oh là, en fait, ça nous prend tout ce qu'on a dans notre benne. Zone stop. Bah écoutez, ah ouais c'est terrible, ça va super vite. Tac, faire ce bâtir. Ouais non, il n'y a pas besoin de réservoir, si il y en a besoin. Tac, panneau solaire peut-être. Terrible. Magnifique. Ouh, ça va être terrible ça. Ok, donc on va aller faire un tour pour l'instant. On va aller voir la base. Pas mal le soudeur là. Vu que j'avais comme idée de remettre tous mes grands panneaux solaires en ligne, parce qu'ils sont un peu tordus dans tous les sens. C'est ce que je vais faire. Je vais tout démonter, je vais tout remettre à sa place et après je vais passer avec le revers. Hand me a drink, 'cause I think I'm going all in. Get me a drink.
Kilo Power. Kilo Power, Kilo Power, est-ce que c'est pas ce que je pense? Kilo Power, c'est ça. Nickel, et le plan. Il est encore en travaux, mais bon, j'aurais un plan, quoi, déjà. Nickel. Récupère plein de circuits imprimés, en plus, c'est cool. Ce qui m'emmerde, c'est mon jetpack qui est défoncé. Je crois qu'on peut le remonter, mais... Je sais plus comment on fait. Enfin, je les ai vus une fois sur leur vidéo le faire. Je crois que c'est dans des petits creux comme ça, là où il y a le. Un tout petit creux d'ailleurs. On a dû passer par là. On va redescendre là. Et voir tous les petits creux qu'il y a, quoi. Je sais qu'il était dans une petite crevasse. Attends, avant de faire le tour, regarde ici déjà. Si, ah, punaise. Putain, j'ai bien fait de pas avancer, hein. Opportunity. Magnifique. De toute beauté, il est tellement bien fait en plus. Les reflets du soleil et tout. Hein. Je suis con, en plus je passe devant les rovers, je prends même pas en photo. Bon, je les ai déjà, mais bon. Donc, carte. Tech, ajouter à la liste. Nickel. On est bien, on est bien. Du coup, on n'avait pas besoin de chercher. Et cette descente là m'a dit quelque chose parce que moi, là, quand la première fois qu'on l'a trouvé avec Beldor, là, on était arrivé par là, j'ai tourné là et j'étais là en fait. Prochaine étape. Donc le nord, attends, le nord, le nord, le nord, il est au-dessus. Donc ouais, bah écoute. On va s'arrêter là déjà. On peut mettre le rover à charger jusqu'à demain. On va dormir, hein, se recharger. Puis bah, c'est parti. Hein. Direction le nord. Il ouais, faut attendre le soleil qui arrive. Voilà. 85%, ouais, c'est bon, ça va le faire. Je vais faire aussi. Pas que j'oublie de le faire à chaque fois, ça. Magique. J'adore. Je vais mettre un petit panneau 5 volts. 5 kWh, putain. Ça aussi là faut toujours changer, c'est un peu chiant. Du coup ça prend que ici, là un peu mais pas ici. Il n'a pas fallu que je le mette là en fait. Ah, ah bah si, ah si non, ouais. Tout ça c'est vert, sauf ici. Là, les interférences quoi. Ah, fallait que je le mette en hauteur là. Et du coup ça je vais le démonter. Thank you.
J'essaie de monter là pour mettre l'antenne. Struggle just to be me, had to rise up just so they could see me, did what I had to do. Ah, j'aurais pas assez de matériel. Si, ouais, si, je l'ai démonté. The only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Taken to your hands up. Ouais, normalement. Ouais, on voit bien le vert partout là. Pas un peu ici là. Non, même pas, on les voit bien. Oui, ça couvre toute la zone là. Si vous faites dans le cratère, bah ça bug. Allez, on perd pas de temps. Ok, ici on a trois bases. On va se les faire vite fait. Ça, magnifique ça. Je vais laisser dans le revers. Ça. Donc je terminerai par celle-là après. Ah, je peux pas la prendre, c'est quoi ce délire? Je peux même pas la déplacer, ouais. Ça bug encore comme la dernière fois. Bon, moi je ferai ça prochaine fois, que voulez-vous? I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play.
bibliothèque. Voilà, c'est carrément vide. Super, il n'y a qu'une tablette. Ouais, c'est cool, mais quand même. Qu'est-ce qui est passé par là encore? Ok. On va voir ça tout de suite. Là, je peux utiliser, mais il n'y a rien. Ok, bah les gens, nous on va s'arrêter ici. On a dit que la prochaine fois je vais monter vers le nord. C'est peut-être un point d'eau du coup, donc c'est en vue ou pas? Ok. Au pire, je vais avancer tout doucement. Si je vois des trucs intéressants, je vais m'arrêter et puis on en fera une vidéo. Ok, ça marche. Allez, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas le petit like, abonnez-vous et puis je vous dis à bientôt. Ciao.